Bonjour à tous et à toutes, je suis Johanna de Wildata et je vais commencer la présentation de ce webinaire. Le webinaire a pour terme « Débuter en bourse avec l'analyse technique ». Pourquoi ce thème choisi aujourd'hui? Tout simplement parce qu'investir en bourse est le meilleur moyen, en tout cas le plus efficace, pour protéger, faire fructifier votre capital et diversifier vos placements. L'argent que vous placez en bourse fluctue continuellement. C'est pourquoi la pratique de l'analyse technique est indispensable pour intervenir au bon moment. Vous êtes peut-être déjà actif sur les marchés boursiers ou vous souhaitez le devenir, que vous soyez investisseur ou trader, vous avez besoin de considérer l'analyse technique dans vos prises de décision. Vous êtes peut-être chez votre banque, vous avez peut-être un broker, vous suivez du conseil ou même faites encore de l'analyse fondamentale. Toutes ces analyses prennent du temps et il vous manque un point important pour intervenir, c'est le timing. Le plus important en bourse aujourd'hui, c'est de savoir à quel moment intervenir, à quel moment doit-on rentrer dans la position et à quel moment doit-on prendre ses bénéfices. Donc, Wildata a été fondée en 1986. L'intérêt du logiciel d'aide à la décision Wildmaster, c'est de vous apporter une synthèse de l'information, c'est de décoder l'analyse technique afin de vous fournir, vous en tant que particulier ou professionnel d'ailleurs, un outil d'aide à la décision à la fois simple, efficace et rentable qui va vous permettre de durer sur les marchés boursiers. Donc pour ma part, ça fait un petit peu plus de 13 ans que j'ai rejoint l'équipe Wildata, que vous m'avez peut-être déjà eu au téléphone et j'en suis ravie et je vous salue. Pour les autres, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que je puisse y répondre au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que l'analyse technique? Donc comme je vous le disais, l'analyse technique, c'est une façon d'intervenir sur les marchés boursiers. C'est la façon la plus courante aujourd'hui d'intervenir et de prendre ses décisions d'achat et de vente pour avoir le timing d'intervention. Quand acheter et quand vendre, ça reste les deux points clés de l'analyse technique, que vous soyez débutant ou confirmé, que vous soyez investisseur ou actif, que vous interveniez sur les actions, les SICA, les options, les indices, les cryptos, enfin quel que soit le panel, quel que soit votre choix d'actifs dans le grand panel qu'offrent les marchés boursiers, vous avez besoin de prendre en considération l'analyse technique. Et justement, le Wildmaster, qui est un outil d'aide à la décision développé par Wildata, est le seul logiciel aujourd'hui à disposition du particulier qui va posséder tous les outils d'aide à la décision et d'analyse technique, bien évidemment, nécessaires à une bonne gestion de vos investissements. On n'oublie pas que la clé du succès en bourse passe par une bonne discipline, une bonne organisation dans le suivi de vos valeurs. Donc pour ça, vous devez avoir un outil performant qui s'installe directement sur votre ordinateur. Donc vous pouvez l'installer sur plusieurs postes, bien évidemment, où vous allez pouvoir mettre en place une stratégie si vous en avez déjà une. Et on va voir comment gagner du temps dans vos analyses grâce aux outils Wildata. Et également, pour ceux qui vont vraiment débuter sur les marchés, avoir une méthode de travail prête à l'emploi, mise en place par des professionnels du marché. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Donc on utilise le chat toujours en bas de son graphique, la quatrième icône. Il doit être affiché maintenant à l'écran, le chat. Et en bas, vous pouvez saisir votre texte et cliquer sur, appuyer sur l'entrée de votre clavier. Ok. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et l'intérêt du Wildmaster dans votre prise de décision, on peut faire de l'analyse de la bourse. Ce que je vous disais tout à l'heure de plusieurs façons, si on s'intéresse à l'analyse technique, on va regarder les graphiques. Le graphique, c'est vraiment la représentation dans le temps de l'évolution d'une valeur. Donc on peut voir ici, quelle que soit la valeur, on a ici l'évolution des cours. Très fréquemment, alors il y a plusieurs façons d'avoir la représentation des cours, mais la façon la plus utilisée, la représentation la plus utilisée par tous, va être les configurations en chandelier. Chaque configuration en chandelier, donc là vous voyez des configurations rouges et vertes, a une signification en analyse technique et surtout va nous donner des informations très importantes. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez combien il y a d'informations dans une bougie?
Donc, je vais cliquer sur le zoom, le petit plus en bas, pour grossir les chandeliers. Alors, j'attends vos réponses dans le chat. Donc, déjà, un chandelier, de par sa couleur, rouge ou vert, va nous donner l'information de la journée. Donc là, nous sommes sur une période jour, c'est-à-dire que un chandelier égale un jour. On peut bien évidemment changer les configurations et le timing. Donc par exemple, ici, on pourrait très bien passer en une semaine et dans ce cas-là, un chandelier serait la représentation d'une semaine. Si on passe en une heure, un chandelier serait la représentation de l'heure en cours. Donc là, par exemple, on voit que le dernier chandelier est vert, c'est-à-dire que c'est une journée haussière. Déjà, première information. Le chandelier d'avant était rouge, on était dans une journée baissière. Alors, le corps du chandelier, le bas ici, donne le niveau d'ouverture. Ici, on est sur le niveau de clôture. D'accord. Le bas de la mèche donne le plus bas. Donc là, on va voir ici, par exemple, on a une belle mèche ici. Donc là, on est sur le plus bas. Et le haut de la mèche, en haut, donne le plus haut. D'accord. Et la différence entre le plus bas, et le plus haut va vous donner l'élasticité de la journée. Donc, plusieurs informations dans un chandelier. S'il est rouge, c'est qu'on est dans une journée baissière. S'il est vert, dans une journée haussière. On retrouve ici dans le corps, on appelle ça le corps du chandelier. Donc, le bas du corps du chandelier, c'est le niveau d'ouverture. Le haut ici, la clôture. La mèche en bas, le plus bas. Et ici, le plus haut. Ce qui va nous permettre de définir une tendance. Donc, vous voyez ici que l'évolution des cours va donner une tendance. Vous pouvez bien évidemment, et on le voit sur le graphique, rajouter des moyennes mobiles qui sont fréquemment utilisées pour avoir une tendance en cours de la valeur. Donc, cette analyse, on peut la faire valeur par valeur, les unes derrière les autres, quel que soit le marché sur lequel on est. Maintenant, Wildata a développé un outil génial, exclusif, et j'appuie vraiment sur le mot exclusif, parce que les market analyzers sont des scanners de marché ultra puissants. Et vous allez en faire ce que vous voulez. Vous allez l'adapter à votre profil. On s'intéresse ici à gauche au tableau, qui est un market analyzer. On va pouvoir choisir sa période de temps. Donc là, sur le graphique, on avait un chandelier égal un jour avec un historique sur 2 ans. Donc ce qui vous donne ici la vue d'ensemble. Vous pouvez bien évidemment utiliser les petites loupes pour rétrécir ou grossir une zone sur le graphique. Dans le market analyzer, c'est la même chose. On va pouvoir choisir sa période et on va pouvoir choisir le marché sur lequel on investit. Donc on peut travailler sur des marchés complets. Donc français, internationaux, mondiaux, crypto, indices, forex et autres. Vous pouvez travailler à partir de portefeuilles, à partir de listes également, ou de listes automatiques gérées par le logiciel. Donc là, on est sur un market analyzer en période jour sur le CAC 40, c'est-à-dire qu'on fait des investissements sur quelques jours à quelques semaines. C'est plutôt un paramétrage swing trading. Donc, le Market Analyzer va rassembler toutes les valeurs du CAC 40. On les voit ici. On peut faire défiler avec le curseur. Et plutôt que de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour analyser les configurations en chandelier, les moyennes mobiles pour définir la tendance, vous avez la colonne Wild Data Trend Indicator qui, en un clic de souris, va détecter la tendance à votre place. Donc, vous imaginez bien le temps gagné. On a tout de suite les flèches vertes qui montent vers le haut qui sont des tendances haussières, et les flèches rouges qui tendent vers le bas, on est sur des tendances baissières. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une réelle pédagogie, c'est très intuitif, c'est très simple, et si on a un doute, on met la souris sur l'icône et on a l'explication. Donc je vais lire ce que vous avez à l'écran quand le Wallmaster est installé chez vous. Donc Wildata Trend Indicator est positif, la tendance de fond est haussière. Et en dessous, vous avez l'explication, donc c'est très ludique. Wildata Trend Indicator utilise la situation technique des 3 moyennes mobiles de périodes différentes afin de mesurer la tendance en cours sur la valeur. Donc, il s'agit d'un indicateur borné qui fluctue entre plus 100 et moins 100. Donc, on le retrouve ici en bas du graphique. Je vais grossir un petit peu la zone. Donc, on a bien le moins 100 et le plus 100 en haut avec une médiane ici. Donc, si l'indicateur est en haut, on est sur un signal haussier et ensuite l'indicateur baisse. On est plutôt sur des signaux baissiers comme on le voit ici. Vous voyez?
On a le même cas ici et le même cas ici. Donc c'est plutôt ludique plutôt que de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres. Surtout que l'indicateur utilise trois moyennes mobiles, hein, c'est ce qui a été noté. Plutôt que de regarder trois moyennes mobiles les unes derrière les autres sur 40 valeurs, bah là, en un clic de souris, vous avez tout de suite la tendance qui est donnée par le Market Analyzer. Quand c'est une nouvelle tendance, il y a écrit New. Ici, c'est-à-dire que c'est un nouveau signal. Chaque signal, bien évidemment, de façon intuitive et systématique, va s'afficher sur le graphique, sous forme d'assistant visuel. Donc par exemple ici sur Vivendi, on se met également ici sur Vivendi, je mets ma souris sur l'icône, et là on a un signal haussier du 10 juin, il s'agit d'un signal de début de tendance haussière. Bon, c'est assez simple, je pense que c'est compréhensif de tous, en tout cas ceux qui l'utilisent arrivent à le comprendre et en sont très satisfaits. Deuxième information dans cette même colonne, vous avez ici la force de la tendance. Donc, je vais me contenter de lire. La force de la tendance haussière est indiquée par un WTI, donc par cet indicateur, qui varie de 0 à 100. Plus la valeur de l'indicateur est élevée et plus le marché est dominé par les acheteurs. Troisième information, parce que c'est bien de savoir qu'on est dans une tendance haussière. Là, sur le graphique, il y a bien écrit dans le signal que c'est un début de tendance haussière, date du signal du 10 juin. On va aller regarder le timing d'intervention. Ici, vous avez des points vert, jaune et rouge. C'est un petit peu comme le code de la route. Vous avez des feux tricolores quand vous êtes en voiture, quand vous êtes sur la route, vous avez des feux tricolores. Quand c'est vert, vous passez. Donc là, le timing est bon, vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Quand c'est orange, bah vous ralentissez. Donc là, la situation est incertaine. Attention, réfléchissez à trois fois avant de passer acheteur. Intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important. Et quand c'est rouge, il est trop tard pour intervenir. Gardez votre position en la surveillant de près. Passez à côté si vous n'avez pas pris de position au moment où le feu était vert. Donc après, on peut faire ce qu'on veut. Hein. C'est comme sur la route. Si vous voulez griller un feu rouge, vous pouvez. Mais voilà, tout ce que vous avez derrière, tout ce que cela peut engendrer. Donc, on va reprendre la valeur ici, par exemple, Kering. Donc, sur Kering, on est dans une tendance haussière. Le timing est bon. Maintenant, on va regarder qui domine le marché entre les acheteurs et les vendeurs. Pour ça, Wildata a créé un autre indicateur exclusif qui est le WIPI, Wildata Instant Pressure Indicator, donc développé par Wildata. Et l'objectif est de mesurer la pression entre les acheteurs et les vendeurs immédiate de la valeur. En gros, qui domine le marché à l'instant T? Donc là, par exemple, sur Kering, on a les acheteurs qui dominent. On est dans une tendance haussière, départ de tendance haussière, les acheteurs dominent le marché. Ici, sur Saint-Gobain, on est dans une nouvelle tendance haussière, mais là, ce sont les vendeurs qui dominent le marché. Donc ça va vous permettre, en fait, de confirmer ou pas une prise de décision immédiate. Donc là, vous avez la tendance qui est détectée, avec la flèche, le timing avec le feu tricolore, et en plus, vous avez, grâce au WIPI, l'action immédiate de la valeur. Est-ce que jusque-là, c'est toujours clair pour vous? Donc, on n'hésite pas à utiliser le chat et à me poser des questions si besoin. Bon, bah, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Très bien, on continue. Donc, le Market Analyzer, on l'a dit, allez vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps dans vos analyses parce que vous allez pouvoir dégager instantanément des valeurs en tendance haussière ou en tendance baissière également. Si vous êtes ici sur la valeur totale, par exemple, qui est en départ de tendance baissière, bah, c'est peut-être une façon aussi de se dire « je l'ai acheté il y a quelques temps, j'ai déjà pris une plus-value, c'est peut-être le moment de m'en séparer ou en tout cas de la surveiller ». L'intérêt, c'est vraiment de savoir quoi faire. Et avec Wallmaster et les Market Analyzer, vous ne serez plus seul devant votre écran. Ça va vous permettre de gagner en confiance. Ça va vous permettre de vous dire, bah voilà, moi cette valeur j'y crois. Bah là justement, il y a un signal haussier où il y a mon copain qui m'a dit que cette valeur avait du potentiel. Je vais checker sur le Market Analyzer. Ça va dans le même sens, je me lance. Ça va pas dans le même sens, je réfléchis. Et puis, j'essaie de trouver un autre signal qui va correspondre. Donc sur le graphique, vous pouvez voir que les signaux restent affichés au niveau du graphique, bien évidemment.
Donc là, par exemple, un signal haussier, signal baissier, signal haussier, signal baissier. Tout s'affiche dans le temps, même si on défile plus loin. Voilà, vous avez tout l'historique de la valeur qui s'affiche automatiquement. Vous avez également la possibilité de mettre des indicateurs techniques. Donc là, des moyennes mobiles, mais on peut rajouter... Vous avez une large bibliothèque d'indicateurs techniques. Donc, vous pouvez rajouter, par exemple, les bandes de Bollinger ou d'autres choses sur votre graphique, si vous le souhaitez aussi. Vous avez automatiquement les supports et les résistances qui sont tracés par votre logiciel. Donc, plutôt de passer des heures à tracer des supports et des résistances, c'est un travail qui peut être assez long, pas forcément des plus intéressants. Donc là, le logiciel le fait à votre place. Et encore une fois, vous gagnez du temps dans vos analyses. Les supports et résistances qui sont tracés en vert et en rouge peuvent être mis sous alerte. Ici, vous avez une cloche. On clique dessus, elle passe du gris au jaune. Donc ici, elles se sont activées, vous le voyez ici. Ce qui va vous permettre d'être alerté quand la valeur franchira ou touchera un support ou une résistance. Donc avec le Wallmaster, vous avez plusieurs façons d'être alerté. Donc vous avez déjà les alertes sonores. Vous avez une pop-up qui peut s'afficher à l'écran si vous êtes sur votre écran. L'alerte sonore, vous êtes en train de cuisiner, par exemple, vous êtes alerté automatiquement. Mais vous pouvez également être alerté par un email ou par un SMS. Donc, vous avez en haut le gestionnaire des alertes avec toutes vos alertes que vous avez en cours, que vous pouvez supprimer ou pas en fonction de leur validité. Donc, un market analyzer qui permet de gagner du temps dans vos analyses, de vous donner la tendance, le timing et la pression entre les acheteurs et les vendeurs. Un graphique qui va vous permettre d'afficher les signaux détectés dans le market analyzer, mais également d'avoir des supports et résistances tracés automatiquement que vous pouvez mettre sous alerte. Donc là, vous arrivez déjà à un départ de méthodologie qui va vous permettre d'avoir une bonne organisation et donc de mettre toutes les chances de votre côté. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la clé du succès en bourse passe par une méthodologie de travail que l'on va appliquer pour mettre toutes les chances de son côté. Vous avez aussi... Donc, détecter une valeur à potentiel, vous l'avez visualisé graphiquement, vous avez encadré la stratégie. Le Wallmaster vous donne également le stop. Le stop va vous permettre de protéger au maximum votre capital engendré sur la valeur, ce qui va vous permettre d'assurer un maximum de suivi et de sécurité sur vos positions en cours. Donc, vous le voyez, le stop est affiché en bleu ici. Et vous avez cette information pour l'ensemble des valeurs. Donc, on détecte des valeurs à potentiel avec le Market Analyzer. On analyse graphiquement, enfin, et on peut faire son analyse chartiste également parce que vous avez ici un onglet graphique où vous avez tous les outils de tracé qui sont disponibles pour justement optimiser vos prises de décision et vous encadrer les positions. Alors là, je vous ai montré un espace de travail prêt à l'emploi. Si on clique dans « Démarrer », vous avez ici d'autres AT Helpers, donc d'autres outils d'aide à la décision qui sont fournis avec le logiciel. Et vous pouvez également créer vos propres espaces de travail. On va voir maintenant comment personnaliser un espace de travail à son profil. Donc ce qu'on cherche déjà dans un premier temps, c'est à sélectionner des valeurs à potentiel. On est d'accord. Donc on a le Market Analyzer du logiciel qui en propose plusieurs, hein, des market analyzers, c'est ce que je viens de vous montrer, dont des stratégies prêtes à l'emploi. Donc ça vous permet de parcourir rapidement le marché pour retenir que des valeurs très intéressantes. On peut bien évidemment se faire des listes. Par exemple, je décide de sélectionner toutes les valeurs en tendance haussière avec un bon timing. Clic droit, créer une liste d'après la sélection et je vais l'appeler ma liste. Nous sommes le 17 juin. Je clique sur OK. Et là, 10 valeurs ont été ajoutées à ma liste. OK. Donc ici, au lieu de prendre le 440, je vais aller dans mes listes. Et je vais prendre la liste du 17 juin. Je fais valider. Automatiquement, les valeurs vont s'afficher dans le Market Analyzer. Donc vous avez vu que c'était assez rapide. En quelques clics, on a réussi à faire un tri du marché, à se créer une liste personnelle. Donc là, on a toujours la tendance
qui est détecté, le timing d'intervention et la pression entre les acheteurs et les vendeurs. Donc les résultats sont plutôt faciles à comprendre et vous avez toute l'explication qui est présente dans les ATSense. C'est un petit peu comme si, alors je m'amuse à dire ça, mais c'est vraiment la réalité, c'est comme si vous aviez un analyste à la maison assis à côté de vous, devant votre bureau et qui vous soufflait l'information. Alors là, je vous présente l'espace de travail tendance et timing. Il y a les retournements de tendance, il y a les chandeliers. Vous pourrez bien évidemment adapter et choisir la méthode qui vous correspond le plus. Sur le graphique, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le signal qui est affiché directement. Ça vous permet de visualiser. Donc ce sont des assistants visuels. On retrouve, donc là par exemple, pour le CAC 40, vous avez l'information dans le market. Et vous avez aussi l'assistant visuel sous forme de cartouche que vous pouvez déplacer si vous le souhaitez. Donc chacun va pouvoir organiser son espace de travail à sa guise. On peut bien évidemment rajouter des indicateurs. On l'a vu en cliquant ici, on peut rajouter par exemple des Bollinger ou d'autres indicateurs. Et en cliquant ici, on peut rajouter des indicateurs sous le graphique. Donc par exemple, je vais rajouter, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Un RSI. Donc, en un clic de souris, je clique sur valider et automatiquement, j'ai le RSI qui s'est affiché. Donc, le RSI permet de savoir si la valeur est surachetée ou survendue. Quand on est dans la zone des 30, la valeur est survendue. Quand on est dans la zone des 70, la valeur est plutôt surachetée. Donc, on pourrait faire défiler les 10 valeurs les unes derrière les autres pour voir l'état du RSI. Moi, je vais choisir d'utiliser la puissance du market pour rajouter une colonne. Donc ici, ajouter une colonne. Je vais taper, vous l'imaginez bien, RSI. Et ça, vous pouvez le faire pour chacun de vos critères. On peut très bien, sur le market analyzer, réunir l'ensemble de ces critères pour voir que là, ça ne sert à rien de passer 5 minutes à faire défiler les valeurs pour voir s'il y en a une qui est surachetée ou survendue. Le market fait le travail à votre place. Vous pouvez également sur le graphique faire vos tracés avec l'onglet graphique. Vous retrouvez ici toutes les lignes de tracé. Voilà. Donc là, vous avez toutes les figures chartistes qui sont disponibles. Vous pouvez aussi avoir plusieurs graphiques. Vous voyez ici, j'ai des onglets. Donc là, un graphique en 4 heures, un graphique en jour, un graphique en semaine. Chacun va pouvoir utiliser des périodes de temps plus ou moins longues pour confirmer une situation, par exemple. Vous avez également sur le graphique, on a vu les supports et les résistances, donc qui vont vous permettre d'encadrer votre stratégie. Ce sont des points psychologiques du marché utilisés par la grande majorité des investisseurs et traders en analyse technique. Donc ça vous permet d'encadrer vos stratégies. Vous pouvez les mettre sous alerte en un clic de souris, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on clique sur la cloche, elle devient jaune et automatiquement vous voyez qu'elle apparaît également dans la ligne du Market Analyzer et en haut du graphique. Donc les alertes, je le répète, sont par mail, par SMS, visuel ou sonore. Et en plus de ça, vous avez ici sur le graphique la possibilité de rajouter votre stop de protection. Il suffit de cliquer sur ajouter un indicateur. Stop de protection. Je fais valider. Et le stop s'affiche directement. C'est-à-dire qu'on a détecté une opportunité avant de se jeter à l'eau, même si on l'a analysé gratuitement. On met sa bouée de sauvetage, c'est pareil. On se protège, on met un stop de protection qui permet de sécuriser au maximum. Je vous le rappelle, hein, la clé du succès en bourse, c'est la méthodologie. Donc, un, on détecte. Deux, on analyse. Trois, on se protège. Et ensuite, on passe à l'action chez le broker ou à la banque. On passe son ordre d'achat ou de vente. L'intérêt, c'est de protéger au maximum vos stratégies. Le money management, c'est la clé du succès. C'est-à-dire que quand on prend une position, on met un stop, c'est-à-dire qu'on est capable de savoir ce que l'on veut gagner, ce que l'on peut gagner, mais également, je le dis souvent, mais comme on ne peut pas avoir raison à tous les coups, enfin, vous n'aurez pas raison à tous les coups, il y aura
des positions qui seront peut-être perdantes, mais vaut mieux perdre peu sur une valeur et la racheter plus bas si vous y croyez vraiment, que d'attendre que la valeur se casse la figure en vous disant bah, elle va remonter, elle va remonter, elle va remonter. Vous voyez, si on prend l'exemple ici, quelqu'un qui est rentré sur ce signal-là, s'il se dit « Ah, mais il y a un signal baissier, mais je crois que ça va remonter. » Puis ça baisse. « Non, mais j'y crois vraiment. » Et ça baisse. « Non, mais là, cette fois-ci, c'est sûr que ça va remonter. Je l'ai lu, on me l'a dit. » Et ça baisse. Vaut mieux couper court et perdre 1 ou 2%, quitte à la racheter plus bas pour refaire une plus-value derrière. Ça reste les règles de money management. Si vous avez une méthodologie, si vous avez un bon money management et que vous encadrez bien vos positions, il n'y a pas de raison. Vous ne pouvez que perdurer sur les marchés et faire comme nos plus de 40 000 utilisateurs, être actif, prendre des positions, que vous soyez investisseur ou trader, chacun y trouve son compte. Bien évidemment, dans le logiciel, on peut également faire de la simulation de portefeuille. Donc, vous avez ici un assistant visuel. Donc, par exemple, si on veut aller sur Technip, clic droit, achat-vente de titres, achat, on va en acheter 100. Ce qui fait un montant de 2 019 €. Vous avez accès aux options avancées et également au money management si vous voulez mettre des objectifs et des cibles personnelles. Par exemple, vous voulez un objectif à 5% et un stop à 1%, par exemple. Donc, si vous gagnez, vous pouvez gagner 98 €. Si vous perdez, vous ne perdez que 22 €. Je fais valider. Donc automatiquement, vous avez la cible et le stop qui sont présents sur le graphique. Et si on prend, alors je vais l'ouvrir en plus, outils, market analyzer, je vais prendre le portefeuille. Et on va le glisser ici. Et vous voyez que Technip s'est affiché automatiquement. Avec à chaque fois la synthèse, l'évaluation et les dernières opérations. Donc vous pouvez avoir un ou plusieurs portefeuilles virtuels, ce qui vous permet de tester une stratégie et d'être rentable avant de vous lancer réellement sur les marchés. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc un, le market analyzer qui va vous permettre de faire l'analyse systématique en fonction de critères définis par les analyses Wall Data, mais aussi avec la possibilité de rajouter vos propres colonnes. Quand je dis propres colonnes, c'est propres critères en fait. Hein. Chaque colonne est la synthèse de l'analyse technique. Vous allez pouvoir paramétrer le market analyzer à votre profil, que vous soyez un investisseur ou un trader, vous avez toutes les périodes de temps. Vous allez choisir le marché sur lequel vous voulez travailler, donc les indices, le forex, les cryptos, les actions, les SICAV, enfin, il y a une large base de données chez Wall Data, mais également travailler sur un portefeuille ou sur des listes personnelles. Le graphique qui vous accompagne visuellement pour faire votre analyse chartiste discrétionnaire avec des assistants visuels présents sur chacun des graphiques, des supports et des résistances pour encadrer votre stratégie, des alertes pour être informé en temps réel et les stops pour protéger vos positions. Bien évidemment, vous pouvez rajouter, on l'a vu tout à l'heure, la bibliothèque d'indicateurs. Est-ce que c'est clair pour vous? Très bien. Donc, en plus de tout ça, c'est-à-dire que en plus de vous proposer un outil d'aide à la décision, un logiciel qui s'installe sur votre ordinateur, qui va vous permettre de prendre plus sereinement vos positions sur les marchés. Wall Data est aussi lié à une communauté. Dans le logiciel, vous avez ici un onglet qui s'appelle Communauté Wall Data, avec un onglet, une icône Mon Wall Data. Alors, Mon Wall Data, c'est génial, c'est hyper apprécié des utilisateurs. En fait, c'est un espace privilégié entre Wall Data et vous. Vous pouvez directement nous envoyer des messages. Vous avez également tout ce qui est support avec la base de données, avec les facs. Vous avez l'accès à votre compte avec vos factures, vos abonnements, vos formations. Vous avez accès au centre de téléchargement parce que toutes les mises à jour du logiciel sont incluses parce que c'est une licence hein, dont vous faites l'acquisition. Vous avez également l'espace analyse technique avec les newsletters, avec les Wall Data News, avec la librairie des indicateurs par exemple.
On a vu le RSI tout à l'heure. On pourrait très bien ici cliquer et vous avez la description, la méthode de calcul, l'analyse et le graphique. En fait, c'est génial parce que c'est hyper ludique. La base de données, si vous recherchez une valeur, bah, vous pouvez peut-être la trouver ici. Et le forum sur lequel vous pourrez partager avec d'autres utilisateurs WorldData. Vous avez également accès au téléchargement ATX Store. La ATX Store, c'est juste magnifique. C'est une grande bibliothèque où vous pouvez télécharger gratuitement de nouvelles ressources. Dans votre logiciel, vous avez tous les outils nécessaires pour prendre votre décision. Mais si vous souhaitez en rajouter en plus, si vous avez des envies de changement, de nouveautés, de diversification du portefeuille ou de méthode tout simplement, vous avez ici une boutique gratuite en fait. Hein. Donc l'ATX Store pour Wallmaster, qui va vous allez pouvoir télécharger de nouvelles alertes, de nouveaux assistants visuels, de nouvelles colonnes gratuitement. Il suffit de cliquer sur télécharger et ça s'installe 1, 2, 3, 4, ça s'installera automatiquement dans votre logiciel. Vous avez également un accès au forum WorldData et au site WorldData. Si je clique sur Aide, vous retrouvez des vidéos, une aide à la programmation pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, l'aide interactive bien évidemment et le centre de support. Parce que chez WorldData, vous avez un support technique très disponible hein, toute la semaine qui vous propose également d'intervenir par prise de contrôle à distance qui permet de gagner beaucoup de temps dans les manipulations et de vous montrer comment intervenir plus rapidement dans la prise en main de votre logiciel Wallmaster. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que l'on vient de voir ? C'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc, on a vu donc qu'on pouvait accéder à des méthodes prêtes à l'emploi, que vous pouviez développer vos propres méthodes. On peut essayer de développer une méthode et de mettre en place un espace de travail. Donc, je vais aller ici sur « Nouveau ». Créer un nouvel espace de travail que je vais appeler mon espace. Si je ne fais pas de faute, c'est encore mieux. 17 juin. Je fais OK. Donc l'espace de travail 17 juin vient d'être créé. Voulez-vous l'ouvrir dès maintenant? Oui. Donc là, j'ai un espace vide. Normal, on n'a rien mis. Je vais aller rajouter, je vais aller cliquer sur outils, un graphique. Donc par exemple, je vais prendre un graphique. Regardez. Vous voyez, vous avez plein de graphiques à disposition. On va élargir un petit peu la fenêtre, on y verra plus clair. Par exemple, je vais prendre un graphique avec des indicateurs de tendance. Par exemple. Donc je fais ouvrir. Et je n'ai plus qu'à faire à déplacer la fenêtre. Très bien. Ensuite, je vais rajouter un Market Analyzer. Donc, je vais faire Market Analyzer. Je vais rajouter, par exemple, les retournements de tendance. Je fais Valider. Et là, ce Market Analyzer va me permettre de détecter et de me donner des informations sur les retournements de tendance. Donc là, par exemple, sur la tendance majeure, je connais la tendance actuelle de la valeur. Cette colonne, signaux contre la tendance, me donne les indicateurs qui vont contre la tendance. Donc plus il y a d'indicateurs qui va contre la tendance, plus la probabilité qui est la colonne finale de retournement va être importante. Donc vous pouvez faire plusieurs types d'analyses. Vous pouvez également décider, donc je vais fermer le Market Analyzer. Vous pouvez très bien décider de prendre un Market Analyzer de base. Par exemple, l'analyse de la séance. Et de rajouter vos propres critères. Par exemple, si je clique sur plus, un croisement des moyennes mobiles. Je vais trop vite. Donc, croisement de deux moyennes mobiles. Je choisis par exemple la 20 et la 50. Très bien. OK, donc pas besoin de faire de la programmation.
Et automatiquement, je vais voir que sur le 440, ici, j'ai un croisement sur Veolia. On le voit bien sur le graphique, je vais cliquer sur plus. Donc, ça me fait gagner beaucoup de temps. Je peux rajouter un autre critère. Par exemple, je vais rajouter, je ne sais pas moi, on va remettre le RSI. On peut prendre n'importe quel critère. Et chacun va pouvoir personnaliser, il n'y a pas de limite. On peut même choisir de détecter des moyennes mobiles sur plusieurs périodes de temps. Chacun va pouvoir mettre en place son propre market analyzer. C'est-à-dire qu'on débute avec des méthodes prêtes à l'emploi. Et puis au fur et à mesure, si l'envie nous vient, on peut personnaliser son espace de travail, son market analyzer, son graphique également. On peut par exemple décider ici d'afficher les bandes de Bollinger. Les valider et automatiquement elles vont s'afficher sur le graphique. Voilà. Donc vous avez vu que c'était le Wallmaster, c'est simple. Wallmaster, c'est comme un grand Lego, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter vos colonnes, vous pouvez supprimer des colonnes, vous pouvez tout modifier, mais vous pouvez aussi utiliser des méthodes prêtes à l'emploi conçues par des analystes, des professionnels du marché. Chaque signal est documenté, c'est comme si vous aviez un analyste à la maison et c'est ce qui va vous permettre de faire la différence sur les marchés. Un bon outil, une méthodologie, un bon money management, et je vous assure que vous avez toutes les clés pour réussir sur les marchés boursiers avec de la vigueur, et là c'est parfait. Donc je vous invite à rejoindre l'équipe Walldata. Vous pouvez nous contacter au 01 58 71 21 99. Toute l'après-midi, vous bénéficiez d'une offre sur le logiciel pour ceux qui ne l'ont pas. Donc vous pouvez demander Johanna ou l'équipe commerciale chez Walldata au 01 58 71 21 99. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook sur la page Walldata. Vous pouvez également vous abonner à la page, à la chaîne Walldata sur YouTube. Et puis également, n'hésitez pas à nous recontacter via le site si vous en avez envie ou par mail. Pour ma part, je vous remercie de votre participation à ce webinaire. C'était un plaisir de vous retrouver ou de vous découvrir à travers cette présentation. Et je me joins à l'ensemble de l'équipe Walldata pour vous souhaiter une excellente après-midi. À très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.